are either banned or taken on an opposite team, so Dazzle will seem like the one of the better defensive ones. Or maybe like a... C'est clair. Magnifique que le stick sur la gloire. Mais t'as pas sur Pupé en... Regardez sur Zap. Juste il bloque le Rolling Wonder, c'est bien joué, le torrent est tenté. Avec la salle, ça va aller. Il y a les gloires. Non! Là il passe. And here come the shot. Allez, on est retour en bas avec Kulika et Fab aussi qui arrive. On va se tuer Zai avec Kulika, attention, je suis pas content. Oh non, il fait mourir! Tiens, il y a leur spirit qui passe le fight, on va essayer de faire ça avec une traîne OHP, il y a un torrent, oh, un désir, on va pouvoir le grave sur la ville. On temporise bien de la part de Grid, c'est bien joué. Bon, ouais, du coup, étant dedans, je rappelle qu'il est très important ensuite. On est pour un game pour Team Secret, c'est bon, on récupère, mais c'est le seul qui peut récupérer. On arrive, il est fail là, qui va tenter de chercher les poisons. Ouais. Bien joué. Ouais. C'est tous les supports quoi, hein. Les trois mecs de la Treeline ils sont vraiment. Oh mid, on va tenter de go sur mid one. Il a plein à la Blade Fury. Ah, y a pas la Dark pour venir l'aider, il va pouvoir banish au moment du torrent, je pense. Non, le torrent a été loupé. On met le banish en offensive sur l'OD. Sur la Lily Noire, attention, est-ce qu'il y a le Hammer Subain? Non, par contre, il a un nouveau banish. Non, cette fois-ci il est de retour et cette fois-ci il va connecter. Donc, en fait, il durait tellement longtemps qu'il a eu le temps de mettre double banish. Quoi. Allez, c'est vrai, mettez là, lui, terminer le kill. On va chercher le roulé-boulé. C'est le touch de la part de Zai. Il a l'air mal en point quand même, Zai. Je mets des petits droite-gauche. Il touche un joli torrent. Il y a un stun dans 2 secondes pour Foreb qui devrait aligner pour terminer le kill. Quoique, le Beastmaster arrive. Non, il pourra rien faire. C'est bien ce que fait Foreb. Hein. Il est vraiment en train de débloquer. De... Radiant structures are fortified. Bon. Oh, il est mort, Eric. Ok. Quelle idée, peut-être. Pas sûr, je pense pas. Oh, il est mid. J'arrive juste à temps pour voir le kill de Sumail. Mais si, attends, regarde. Regarde, il est bien planqué derrière Zai. Allez, stun far. Même beaucoup, hein. Ils ont quand même beaucoup, ils sont 4 de Disney Secret, on va être sur Artésis, le Grif qui arrive derrière, Artésis a pris mon petit coup, il est très tranquille, le Sentinel qui arrive, on arrive à se réveiller pour le moment, Artésis est encore, on aura peut-être voir le Grif, qu'est-ce qu'il est tranquille, mon dieu, Forêt va mourir du coup, il est banish pour le moment, mais avec 100 HP, je pense qu'il va mourir à la sortie. Zup, adieu Sand King, Univers qui est de retour en train de courir sur Pupé, et Paladai a tué Ursa avec ses poisons. Je pense... Ouais, ça ping gamin, mais je pense pas qu'il puisse vraiment les rattraper. Et en haut, il y a une croix qui est partie. Attention MP est très fragile. Tu vas prendre le bateau. Il y a des TP qui arrivent. Il y a un TP qui a été cancel. Sumail devrait quand même récupérer avec son bataniche. Oh, elle est pas bien cette Luna dans la gamme. Et par contre, Universe, bah Universe tue le Sand King en plus. Oh, ça va en haut sur Pupé. Ouais, c'est bien joué. On a essayé de force là pour y aller. On sort les nécros. Et Pupé qui va tomber. Ah non mais ils sont tous trop bien en fait. On va peut-être pouvoir tuer Artésie en bas par contre hein. Il est en train d'écho sa dagger. Oh, il a senti le coup à temps. Il a pas de TP hein. Et il va falloir hein. Il joue avec eux pour l'instant. Le stun qui... Et ça. Ça veut dire qu'on a peut-être moins besoin sur nous qu'ils ont déjà toutes ces daggers. On va voir ce qu'il décide de faire en tout cas. On est parti sur lui. Allez, le stun de Forev qui touche. Oh, Pulpe qui touche lui aussi son stun. Et le petit qui va être lâché. Oh non! C'est sérieux? On a dit pour l'instant, l'équipe qui prend l'avantage de lui qui arrive à snowball et à gagner la partie. Pour l'instant, le snowball il est bien contrôlé. Attention, Paladin va falloir se donner. Oh, ok. Tiens, tous les câbles. Par contre, la croix va revenir. Attention, on a chopé une douane du coup. Il y a une centaine qui arrive, on va stun, donc il y a le bateau qui fait bien bouger le tour, on met le sur Sumail. Allez, il y a eu le temps de se banish, Artésie qui arrive dessus, qui est en train de massacrer cette Luna, qui va tomber, le Dazzle qui est très très loin, est-ce qu'il a le temps de venir pour sauver ses coéquipiers? J'ai l'impression que oui, très belle ici d'avoir de Pupé, le petit Jugger, lui il va mettre Universe très loin, il a le temps de se grave, la Glimmer qui gagne du temps sur pour Zai. Zai, il va tenter le TP, ça passe pour le stun de Forêt, juste à temps. Mais attends, ils ont... Ils savent, hein.
que ça me... Ça, c'est très bien, je comprends, ça attend. Et je prends ce mail. Quand on vous disait que c'était vraiment celui qui est là pour ralentir cette Luna, on va se faire staff. Arthésie va content, il a pas first hit. C'est bon soleil, il voit pas ce heal. Mais il croit qu'il est parti sur PP avec des nécros au cul, il est dans la merde. Il a un gossipteur par contre, et on l'a fait ça, bien joué sur l'aurore. Mais qu'est-ce que ça joue bien défensivement des deux côtés. Byzantine, qui arrive, c'est là Byzantine, du coup il prend pas beaucoup de dégâts, surtout que tout le monde est en dégâts avec QP. Devrait mourir forever, lui c'est fait. Il est seul. Sans, il a le stun. Ouais, je vois. Ah, mais ils ont une gem, pardon, excusez-moi, ils ont une gem sur Universe. Ouais. Eh, j'ai ça. What? Oh, il a heal bomb. Look at the unit spread though. Like, Zai is on the bottom trying to bait him out with an X. Oh, and he did too. He moves on in. He's gonna be able to scout out the smoke. Problem is they won't catch him with the Yules and a disruption. So Zai will just have to tank the smoke gank. But I'm sure EG at lane footage showing EG that they're in the area. Constantly dancing within and out of the pit. While Arteezy begins to go to work. The rest of the team wrap up and over. They spot out Puffy. You commit the roar and the corn. He gets up the ghost scepter and then boom! Gets blasted there by Umail. Committing in the ulti. That's two ulties for Puffy. They'll be going into a reviving right away and pie their feet. And it's going to be EG claiming the next phase. Smell's too fat. He can look for so many opportunities with his blink orchid. Like the shadow demon is. Yeah. Yeah. Here's Zai in the top lane now. He also has a lot of change. We'll have to see if he has to go for anything else. For now, he's on split push duty. Mid one is still around though. Oh man, he's going for the quick assassination. And Zai will end up going down. Sumail does get out the imprisonment, waits a bit for it, and will make mid one pay for taking down his comrade. Good redemption right there. If EG do have a say in the matter, and this could be one of the final hurrahs right now. Universe is posturing up in the back defensive position, waiting. Just as fast as Perev goes in, there's going to be the Yules. The scooch back out. Both fly in. More for a defensive run, it looks like right now. MP had already committed to BKB. Universe in deep right now. Then stunned up. There's going to be a nice save for the prison because he hasn't been able to get off the warrior. Puffy goes inside. Just as fast now. Return fire. Drop down with Sumail. MP puts it back into it. It's going to be EDG for this one. Arteezy quickly slashes and takes down another grab. Side the other side, as Perev gets a nice two-man connection with the stun. Good force back there, as Crit's looking to make it. A bit more space between him and Perev. Sumail's going to be able to get the finish, it looks like, with two quick bops. We'll get it done. Mega kill for him. Let's go ahead and move it on into a double kill now, as he just treks right through Pylite Eye. Secret will lose four, and none of them have a buyback, as EG will clean out what looks like the first set of racks. You mentioned Sumail being a beast on the OG. I think that's an understatement. The key crushed them. That's a Goliath. I don't know what you put about a beast. A titan. Beast mate. Yeah, he was just way too big up in front. Like, he baited out the epicenter, he got glimmered, and then he saved the Beastmaster with the Astral. Like, he did so much damage in the short time that he was actually able to right-click people. Sumail definitely feeling himself this game, there's no question about that. From the laning phase all the way on through, he's dominant pretty, yeah, he's been pretty clutch on this OD. Secret, and they'll continue to live down and below Sumail, dropping down the Sanity's Eclipse, we're gonna go for MP. MP has been able to skate way back into the base, a jumping from Perev leads to the Yules here now. And Puffy, as he jumps in, is going to get quickly astraled up. Gets a stun and a silence to Sumail, but eventually the right clicks come through. Arteezy cleaning up the rest of the mess from behind, getting the triple, forcing out a couple of buybacks, and that will be game. Secret get knocked down into the lower bracket. EG will take this one, and they move on to face Newbie in the next round.
as strong as Puppy was game two, I think he was equally underwhelming in game number three. I think a lot of the early game really hinged upon his success to make things happen in the early game. I think he did get one of the kills, but he ended up dying at the tower. But the early game just did not